lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui encore pour un unboxing. Oui, encore. Il n'y avait plus du tout de haul sur la chaîne pendant un bon bout de temps. Et là, d'un coup, il n'y a que ça. Mais bon, rassurez-vous, il n'y en a presque plus. Alors j'ai... Oui, c'est parce que j'avais deux colis dans la boîte aux lettres ce matin. Voilà pourquoi. Donc... un petit colis à lui et un colis un petit peu plus gros. Ah, je sais pas comment je vais me mettre. Voilà. Eva Beauty Access. Donc, on va commencer par Ali. Ça va faire du bruit, il y a du plastique. Et vous allez sûrement entendre Bibou dans le fond. Papa s'en occupe. Alors, je vous montre déjà comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais peut-être mettre la petite ventouse à sa place. Voilà. La ventouse est posée. À votre avis, c'est encore un ustensile de cuisine. C'est un porte-éponge. Voilà. Parce que j'en ai marre que mes éponges traînent sur l'évier. J'en ai marre. Donc, puis vu que moi j'ai une éponge ménage et une éponge vaisselle, voilà. Ça m'évitera de. Ou surtout doudou de mélanger les deux. Voilà. Donc voilà, un petit porte-éponge. Je vous mets le prix ici. Comme d'habitude. Et je vous mettrai le lien sur la page Facebook. Comme d'habitude avec les liens à vie. Voilà. Voilà pour ceci. Mais bon, ça coûte une misère. Puis bon, il est tout mignon. Il est tout mignon, le petit minou. Voilà. Mais bon, il n'est pas en... Le plastique, il est déjà bien, bien moché. Heureusement que ça coûte pas très cher et que c'est du... Regardez. Vous voyez qu'il est déjà pas mal griffé. Hein. Voilà. Ensuite, alors, colis d'Eva Beauty Access. Donc, très très bien emballé, comme d'hab. Il y a du scotch partout, ça risque pas de s'envoler. Hein. Voilà. Bon, j'ai pris mon ciseau parce que je sais qu'à l'intérieur ça va être blindé de papier bulle. Donc on va autant commencer à être habitué. On le sait. Donc je sais plus trop ce que j'ai commandé déjà, parce que ça fait un petit moment là que j'ai passé, enfin j'ai passé comment, quand j'ai passé la commande en plein dans un week-end, je crois, et elle était en déplacement sur Paris, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long que d'habitude. Voilà, c'est bon. Donc, comme d'habitude, je me suis attachée. Non, c'est bon, j'ai pas abîmé le sac. Et pour une fois, d'habitude, à chaque fois, je le craque, il faut que je découpe. Donc, j'ai droit à un beau petit sac solde. Alors, je vais. Ce qu'il y a en premier, donc, comme je vous l'avais dit, papier bulle en voiture, voilà, mais bon, c'est très très bien comme ça. Vous êtes sûr que votre commande elle arrive dans un état nickel, que rien n'est cassé. Alors, puis moi je les recycle comme quand je vous fais des concours. Hop, hop, hop. Donc, un mascara, je sais plus si c'est celui que j'avais commandé ou. Je sais plus si c'était celui-là, si je pense que c'est celui-là. Mais je pense que je vais repasser commande et commander le violet aussi. Mais bon, passe-moi aussi, là j'en ai je sais pas combien d'ouverts de mascara, donc va falloir que ça attende. Mais enfin, j'ai vu que c'en était un pour recourber et moi je suis vraiment en galère de recourbement en ce moment. J'ai mes cils, ils plongent là en ce moment, donc ça m'ennuie un peu. Donc voilà, c'est petit mascara. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Easy Paris. Je crois qu'il est à 3€ celui-ci. Donc rien du tout pour un mascara. Et ce que j'ai vu sur son snap, il y a le recourbe
Et un autre, le violet et l'orange sont à 1,99 en ce moment. Et le jaune et le noir sont à 3€. Donc voilà. Donc moi j'ai pris le noir. Et à chaque fois que je regarde ses snaps ou ses photos, elle a toujours des cils de fou. C'est un truc de fou. C'est fou quoi. Et voilà, je suis jalouse de ses cils. Mais bon, moi, non, ils se recourbent plus du tout, mais alors plus du tout. J'ai beau les recourber, même à la chaleur ou autre, ça tient pas. Là, je sais pas trop. J'ai testé un autre mascara encore ce matin. Mais ben voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Je continue à chercher un mascara. Donc, à voir. Je vous en reparlerai de toute manière. On va essayer de le voir dans le prochain tuto, si j'arrive à avoir le temps de tourner du tuto. Mais voilà, à tester. Après, je pense qu'il était à 3€. De toute manière, je vous mets les prix à l'écran, comme d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans le ciseau? Encore un... Je sais plus ce que j'ai commandé. Alors... une poudre contact, donc de la marque Winnie Luxury. J'adore les fards à paupières de cette marque. Alors j'ai voulu tester la poudre contact parce que moi je n'en ai plus. Ça a l'air pas trop mal. Donc voilà, je vais tester ça. Donc c'est la teinte 001. Voilà. Et ça, je sais plus combien ça coûtait. Donc je vous l'affiche à l'écran. Ensuite, je vais monter. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très bien emballé. Hein. Là, s'il y a de la casse, je comprends pas, franchement. C'est que le facteur, il a vraiment mis du sien pour... je sais pas trop comment par où ouvrir. Enfin. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui. J'ai commandé deux baumes à lèvres. Donc là, c'est de la marque Yes Love. Donc j'en ai pris un à la menthe et un au raisin. Un violet et un vert, parce que j'ai bientôt fini le mien à la coco. De toute manière, vous le verrez dans la prochaine vidéo produit terminé. Et donc je vais tester cela parce que ouais, j'en mets tous les soirs, j'en mets avant de dormir et le matin en me préparant, j'en mets. Et je pense que je vais m'en emmener un pour le boulot, je pense, ou je vais en garder un en backup, je sais pas encore. Donc pareil, je vous mets le prix à l'écran. Et c'est la première fois que je commande cet accessoire. Désolée pour le bruit. Donc j'ai commandé. J'espère que je ne vais pas faire de nœud, mais bon, me connaissant, bah, c'est bien parti pour. On est d'accord? C'est fait. Oh là 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 là. Je m'énerve. J'ai envie de me mettre des claques des fois. Hop. Voilà, j'ai réussi. Donc, je me suis commandé un choker. Comme ceci. Vous allez voir. Puis pareil, là, pour vous montrer porter, ça va pas être possible vu comment elle a... Donc voilà, vous avez le tour de cou et la petite chaîne qui dépasse. Je le trouvais super joli, donc hâte de pouvoir le mettre. Mais ça va être tendu avec Bibou parce qu'il aime bien s'accrocher à tout ce que j'ai autour du cou, ou voilà, les cheveux, les boucles d'oreilles. Donc mais bon, là je vais reprendre le boulot et je pense que je vais pouvoir le mettre, ça va être sympa. Mais je le trouve très très joli.
J'espère que je vais supporter, vu que moi, niveau bijoux, j'ai vraiment ma peau, j'ai une peau très 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 sensible. Donc, je verrai bien. Il est super joli. Donc, pareil, je vous mets le prix sur l'écran. Je vais essayer de pas le remêler. J'en ai commandé un second. Donc là, c'est simplement un lacet. Voilà, style lacet. Donc vous pouvez faire autant de tours que vous voulez. Et au bout, vous avez... Hop. Voilà. C'est en rose gold. Ouais, c'est très joli en rose gold. Donc voilà, je vais pouvoir vous nouer un peu comme vous voulez. Vous pouvez faire des boucles, pas de boucles. Enfin voilà. Et... je vais pouvoir m'amuser avec ça. Et ça, je devrais le supporter. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vais essayer pareil de ne pas l'emmêler. Ça serait bien. Du coup, j'ai du papier bulle un peu partout. Ensuite. Encore un papier bulle. Je me suis recommandé un parfum. Parce que les deux miens arrivent enfin. Je vous mettrai les noms de ceux que j'avais déjà commandés auparavant. Il y en avait un des deux qui était moins ma came en fait. C'était pas sucré. Voilà, c'était le coco mademoiselle ou un truc comme ça. Parce que c'est des imitations de grandes marques. Et voilà, et c'était pas assez sucré à mon goût. Donc je lui ai demandé conseil. Et voilà, mon conseiller Black Knight. Et ça faisait un moment que je voulais le tester celui-ci. Donc je vais pouvoir le faire. J'aime bien le packaging. Je sais pas si c'est écrit les notes de tête. Les bouteilles se ressemblent, c'est juste l'étiquette. Voilà, c'est juste l'étiquette, la couleur du parfum et le bouchon qui change. Sinon, c'est toujours le même format de bouteille. Ah, c'est écrit derrière. Alors, jasmin, café. Non, note de tête. Piment. Piment rose. Pimienta rosa. Pera flor de azahar del naranjo. Hein, qui comprendra jasmin notas de corazón jasmin café et nota de fundo patchouli vanilla et cedro. Donc patchouli vanille cèdre en note de fond en note de je ne sais pas quoi corazón note de cœur jasmin café et en note de tête piment rose. Je pense que c'est ça. Pera flor de azahar del naranjo. Ça, je sais vraiment pas ce que c'est. Attention. Oui, je suis très douée en espagnol. Hein, vous aurez remarqué. Oh si. C'est sucré, c'est... Ça, je vais aimer. Ça, je vais aimer. Ça, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il va tenir. Parce que moi, ils ont vraiment du mal à tenir sur moi, les parfums. Mais ils sont trop bons. Moi, je vous fais... Pff, style, c'est un swatch. Sans. Non, ça sent trop bon. Mais franchement, je vais kiffer celui-là. Donc, Black Knight, je pense que c'est peut-être le Black Opium où je vous mettrai. Si je trouve... Mais bon, vous avez vraiment pas mal de choix sur le site niveau parfum. Et pas trop cher. Je crois que c'est 5€ et ils sont souvent en promo à 3,90€. Ils sont trop bons. C'est cool. Et c'est tout. Et je vous remontre le petit flyer si jamais ça vous intéresse. Si vous habitez dans le coin
Voilà. Si c'est votre premier achat, vous avez un cadeau. Voilà. Pour ma petite commande Eva Beauty Access. Ah, et comme d'habitude, vous avez des grands flyers aussi. Et pareil, quand vous commandez, vous cumulez des paillettes. Il me semble que c'est des paillettes. Enfin, vous cumulez des... Voilà. Et au bout de tant de paillettes, vous avez droit à un pourcentage, je crois, sur vos achats. Mais bon, vu que c'est vraiment des produits make-up vraiment, vraiment pas chers. Mais vous avez aussi des accessoires. Vous avez des maillots de bain. Vous avez... là, en ce moment, il y a des tongs, des maillots de bain en promo. Vous avez plein de trucs sur son site. Donc moi je vous la recommande, elle est vraiment très très sérieuse, voilà. Les paquets sont toujours très très bien emballés, ça arrive relativement rapidement habituellement, mais bon là elle était en déplacement le week-end donc c'est normal que ça a mis du temps. Donc voilà, moi je vous recommande ce site, franchement j'ai jamais été déçue pour le moment par quoi que ce soit, et je vous conseille les palettes Winnie, voilà, ils ont une pigmentation de fou, voilà. Que ce soit avec base, sans base et mouillé, c'est juste voilà. Donc voilà pour mon petit unboxing. Et maintenant j'ai du grain plein mon lit. Voilà, voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà commandé sur le site ce que vous avez pris. Ça pourra me tenter pour ma prochaine commande. Car pour l'instant, je sais qu'il faut que je commande. Le mascara en version violette. Voilà. Je ne vais pas commander juste pour 1,99€, on est d'accord. Donc, si vous voulez me tenter, tentez-moi. Je vous recommande ce site. Hein. Merci Eva pour ces produits que tu nous déniches. Franchement, ils sont vraiment top. Voilà. Surtout la marque Winnie, franchement, c'est la très 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 belle découverte. Donc n'hésitez pas à commander sur Eva Beauty Access, franchement c'est un super site. Eva est vraiment adorable, n'hésitez pas à la suivre sur Snap, elle montre pas mal de swatch. Si vous avez des questions, elle vous répond rapidement, que ce soit via Facebook, via mail, enfin rapidement. Ça dépend des arrivages de commandes vu qu'elle est toute seule, mais franchement elle gère. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I love your lies in the dark. Love tearing up a broken heart. Over and again. I love you, now take me home.